Et bonjour à tous, ici Morgan von Brelan. Et on se retrouve sur Death Bulge. Où, après discussion avec les gens du Discord de Death Bulge, on m'a dit de retourner ici. C'est un endroit terrible qu'on a atteint en faisant dodo dans les lits démoniaques, là. Et la première chose que j'ai remarqué ça. La Vierge Shuffle. Ah. Et on m'a dit de faire particulièrement attention à ce que disait Madame Piu Piu. Ce n'est pas Madame Piu Piu, mais on va lui parler quand même. Madame Bouffon, je crois que c'était. Une fois que tu m'as trouvé, c'était en t'éloignant du chemin. Et une fois que là, tu m'as trouvé, en ne t'éloignant pas du chemin, c'est fascinant. Madame Bouffant. Ah, effectivement, il y a un coffre à droite. Il était pas là avant, si. Il était là avant et je l'ai raté comme un connard. Ah, c'est pas si simple. Faut pas écouter ce qu'elle dit, c'est juste que quand on y parle, ça dézoome, ce qui permet de voir le coffre. Docteur Tonebone. C'est rigolo ça. On va remettre le. Tonebone. Ok. Bon. Et bah. C'est tout. On va pouvoir reprendre l'histoire. Et je tape sur ma table. On reprend l'histoire où donc nous allons aller au Battle of the Bands pour casser des culs. Encore des cœurs, ça? Brief, ton rencard, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Ah! Il y avait une deuxième conversation! Oui! Ou non, non, c'est que des conneries! Oui! Ok, juste pour être sûr. Et si je dis que c'est des conneries? Ah bon? Et du coup, ça s'est passé comment? Tu vas me dire? Ah, et du coup, on peut le refaire. Ouais, cher champion! Compliment. Pour cette fois, on va le faire sérieusement, du coup. Je complimente Platinum. Ouais, simplement. Ah, bon début. Oui. Ah, j'ai l'air. Non, tout va bien. C'est un compliment très fort. Blague. Elle avait aimé le compliment rigolo l'autre fois, donc toc toc. Ouais, j'écoute son album, c'est cool. Je vais te poser une question. Bon, on m'a demandé comment ça allait, ça s'est mal passé. Demander ses aspirations au long terme, ça m'a l'air encore plus débile. Donc, il faut lui demander si elle est prête pour un autre compliment. Non, mais putain.
Oh, mais putain! Un autre compliment, je veux dire. Je vais pas refuser après la force de tes précédents compliments. Ça m'a vraiment fait plaisir que tu sois là pour discuter après que je me sois disputé avec Fei et Yan. Oh vache, j'ai la coupe. D'accord, je t'ai pensé ou quoi? Et maintenant, tu prends même... Oh, Brief qui a une voix plus dégueu que jamais. Je vais y arriver. Et maintenant, tu prends même le temps de m'entraîner pour un rencard. Brief? T'es vraiment une personne formidable. J'espère que tu le sais. Brief, oh mon dieu. Je sais pas quoi dire. Moi je sais quoi dire. Remets le beurre au frigo, monsieur le beurreur. J'ai l'impression que t'essaies vraiment de te beurrer les biscottes. Allez, M pour les muscles. Et ça demande de la force. Bon, Brief a pas de muscles, alors on va faire un compliment sur les muscles. Ouais, t'es athlétique. Ah, j'ai retrouvé sa voix. Ouais, t'es trop musclé tout ça. Encore un compliment, mais tu te fous de moi. Oui, toi aussi, t'es super balèze avec ton énorme tambour. Dis-moi, Brief, tu m'arroses vraiment de compliments. Je commence à me sentir un peu... Tu sais, Brief, ton rencard, il peut pas bien se passer. Tu passes ton temps à le noyer dans du beurre. Oui, c'est vrai que j'avais pas cette part... Yan appelle le fait de faire un compliment beurré. Bon, c'est peut-être un truc qu'il dit en français aussi, je suis pas au courant. On va dire que c'est régional. Si tu fais trop de compliments, ils pourront rien apprendre de toi. Bon, à part du fait que tu es l'ambassadeur du beurre. je connais déjà bien Brief, t'inquiète pas. Oui, mais le principe, c'est qu'un rencard... Oui, mais son vrai rencard, elle sait pas. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bon, on s'en fout, on continue. Pour la proclamation. Problème avec la merde, problème avec le méthode champion, c'est débile. Ouais, bah peut-être que t'aurais dû essayer la méthode Brief alors. Ouais, je me demande ce que ça fait, Brief. Ouais, bon, bref, c'est de la merde. Ah ouais, t'as ta gueule. Ouais, mais au moins... Moi, je suis juste contente qu'on puisse tout mettre de côté et passer un peu de mon temps ensemble. Merci beaucoup, Brief, et merci, Yan, d'avoir organisé ça. J'en avais besoin. De rien. T'as fait un super rencard d'entraînement. Grâce à toi, Brief n'a jamais été plus prêt pour le rencard de sa vie. Ah oui, c'est vrai. Brief, toutes ces choses que tu as si... que tu as cèdes, bien sûr. Tout ce que tu as dit, c'était juste pour t'entraîner ou t'étais sérieux? J'étais sérieux. Pour tous. J'espère que ce soit le cas. C'est peut-être juste un coup de la menace de la baston des groupes qui arrive qui me fait me sentir bizarre, mais... J'ai pas envie qu'on s'arrête tout de suite. J'aurais voulu que ce ne soit pas qu'un entraînement. Hein? Mais genre, toi et Delicious, vous êtes pas ensemble? Ah,
non, t'inquiète pas. Elle et moi, on a parlé pendant un long moment et tout va bien. Bref. Est-ce que toi aussi, tu voudrais que ce soit plus qu'un rencard d'entraînement? Oh oui! Oh oui! Oh, je me sens pas mal de lui abandonner cette voix de merde du coup. Ah oui. Oh putain. Oh ce jeu. Eh ben je suis heureuse que... Que tu ressentes la même chose. Allons quelque part. Ah, je te suis. Attends, il se passe quoi là? Et pour la super gonzesse que j'avais préparée là, je fais quoi? Désolé Yann, pour avoir aidé et tout ça, c'est super sympa. Mais je vais passer plus de temps avec Platine. Ouais, je m'en fous. Passer un bon moment. Ah. Waouh, j'avais pas vu. Putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui. J'avais pas vu venir. Ah, peut-être que je parle plus lentement déjà, ça aiderait. Bon, eh bien, au moins la quête de romance a été un succès. Succès, mon cul! T'étais juste censé t'entraîner à faire un rencard avec Platine. Pas t'entraîner à faire tout le reste après, hein. S'entraîner, c'est important. Mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est vraiment comme ça que c'est passé ou c'était une autre invention comme la dernière fois? Non, mais ok, Non, je garde cette fin, c'est très bien. Il y a Brice, Platine et Délicieuse qui vont faire un trouble. Ça va être bien. Bon, revenons aux choses sérieuses. Salut, trou du cul. Salut, groupe d'appel, je voulais être là juste à temps pour le tournoi. Vous avez vos passes? Ouais, là. Parfait! Bon, bah maintenant que c'est fait, allez dans le portail. Après ça, aucun retour possible. Est-ce qu'on est vraiment prêt à la baston des groupes? Ouais! Non. Je veux sauvegarder. Une vraie sauvegarde, manuelle. Ils sont là, eux. Ça va, Kakouak? Ah, tu veux discuter un peu? Non, merci! Là, le pingouin est mort. Étonnamment, le Cédic n'y fait rien. Bon, évidemment, je pourrais lui donner un petit... Mais... Pourquoi utiliser une plume de phénix, hein? Allez, c'est parti. Ok, préparez-vous, le club belge. Vous allez être envoyé à la salle d'attente A. Ha, je parie que vous vous sentez spéciaux, hein. Oh, ta gueule. Passez un bon moment. Où est-ce qu'ils lui ont trouvé cet énorme micro? Je ne pourrais pas souligner assez combien c'est un honneur de vous avoir avec nous, Seigneur Maelstrom. Puisque vous êtes le créateur de la tradition des bastons de groupe, je... Je...
vache. Ça me fait bugger, c'est une phrase simple. Hein. Bon, je suis super content que vous soyez avec nous pour célébrer le 100e tournoi. Tu as bien fait, Daimo. Cette arène a l'air tout à fait spectaculaire. Merci, votre seigneurie. Je suis ravi que ça vous plaise. Alors, quel est le grand prix ? Eh bien, à l'origine, le groupe gagnant allait partir en tournée avec Apocalypse, mais... Ah ! Oups ! Pardonne-moi, Daimo, si j'avais su, je me serais retenu. J'imagine que j'étais un peu grognon vu que je venais de me réveiller. Ne vous inquiétez pas, votre seigneurie. Ça, en fin de compte, ce n'est pas si important. Tout à fait. La peur de la mort est... ça motive suffisamment. Eh bien, vous serez appris d'apprendre que tout est prêt. Une fois que vous donnez le feu vert, nous commencerons à diffuser. Parfait. Dans ce cas... Attendez un peu, on a un peu de problème avec le son, avec la qualité de son du Seigneur Maelstrom. Qui ose m'interrompre en pleine phrase? Donc, on n'est pas prêt? Il faut juste que je mette un peu plus de... bidule sur le Seigneur. Toutes nos excuses pour le délai. Mais... comprenez que... avant cet événement, on n'avait pas beaucoup d'expérience pour gérer les énormes intonations d'un dieu démoniaque ancien. Si on veut s'assurer que le Seigneur Maestro sonne pile comme il faut à la... on voudra que le Seigneur Maestro sonne pile comme il faut à la télé autant qu'en personne. J'aime bien ce type. Très bien, ça a l'air important. Fais ce qu'il doit être fait. Qu'est-ce que... des sons de perceuse? Est-ce que vous êtes en train de faire un trou dans le Seigneur Maelstrom? Pour avoir la meilleure qualité, il faut qu'on enregistre loin à l'intérieur du Seigneur. C'est le seul moyen. Mais il a plein de trous. Faut pas juste mettre le machin dans le trou. Bon, je pense que c'est un infiltré de Mutila, mais... peu importe. J'imagine que c'est pas mon boulot, tous ces trucs techniques-là. Juste maniez-vous qu'on puisse reprendre. Nul besoin de le presser, Daimo. Ça y est, je vais encore perdre ma voix. Par contre, pourquoi il est constamment en animation de course? C'est un bug ou... ou peut-être que le sol est très glissant, on va dire ça. Ça glisse. Bon, bah voilà, on devrait être bon. Excellent! Excellent! Eh bien, n'attendons pas plus! Allez, les gars, l'audio là, on s'apprête à diffuser. Retourne préparer les rires en concert là. Je m'en recharge! Très bien, alors maintenant, c'est l'heure de mettre ma tête de télé. Salut à tous les téléspectateurs et bienvenue pour la 100e baston des groupes. Avec moi à la table des commentateurs, un invité très très spécial. Le seul, l'unique, Seigneur Maelstrom l'Immortel. Heureux d'être là. Est-ce que vous nous ferez l'honneur? Mais bien sûr. Que le tournoi commence.
Ils sont en train de picoler, les deux. Eh ben, mon beau, t'as fait du super boulot. Ça me fait plaisir que vous rejoigniez la cause. L'idée d'enfin pouvoir la mettre à l'envers à Daemo, on n'allait pas laisser passer ça. Il nous a traité comme de la merde pendant des années. Ouais! Ok, c'est l'heure de vérité. Est-ce que ça va synchroniser? Ça marche! Ça marche! Yes! Eh ben, voyez-vous cela? Une fois qu'on sera complètement synchronisé avec Maestro, on devrait pouvoir commencer l'extraction. Cool, tu penses que ça va prendre combien de temps pour synchroniser? Laisse-moi voir. Là, ça dit que c'est prêt à 1%. Ouf! Ouais, ouf! J'espère que ça va accélérer avant qu'on commence à perdre des gens à qui je tiens. Ok, tout le monde est là. Je me demande qui on va affronter en premier. Personne qu'on connaît, j'espère. Ok, Death Bulge, c'est à vous. J'espère que vous êtes prêts parce que vous connaissez très bien vos adversaires. Oh l'enculé! Oh non, pas les platines délicieuses, pas déjà. Purée! Renard a intérêt à se grouiller! Finissez toutes vos préparations de dernière minute et maniez-vous sur l'arène. Oh l'enculé! Sauvegarde manuelle? Non! Dans l'intérêt d'avoir des combats équitables, tous les groupes reçoivent un accès illimité à nos ressources. Remplissez-vous autant que vous voulez. Y'a pas de secret ici? C'est juste la baise? Bon, y'a pas de secret, c'est juste la baise. C'est parti! On va pas y couper. Quoi? Mais non! Ah! Surprise! Maman, splash, mais pourquoi? Ouvrez grand les mirettes, les spectateurs! Nous commençons fort avec une rencontre tout à fait remarquable! Parce que nous avons à ma droite Death Bulge qui va affronter à ma gauche les champions ultimes! Et est-ce que vous arrivez à la croire? Iris est en fait la mère de Death Bulge et Yann, de Fei et Yann de Death Bulge! Un conflit familial! Effectivement, nous sommes gâtés! Ils vous ont trompé aussi? Nous, trompés? Mais non! C'est exactement le genre d'excitement à... avec beaucoup à perdre pour lequel on vit. Quoi? Vous savez que c'était à la mort? Mais pourquoi vous avez rien dit? Qu'est-ce que je peux dire? J'attends la surprise! C'est plus marrant. Ça valait le coup juste pour voir vos petites têtes. Et puis c'est juste trop parfait. Vous deux, vous avez toujours essayé de me convaincre que faire de la musique c'était aussi important que faire du muscle. Rappelle-moi, qu'est-ce que je disais en réponse?
Les muscles créatifs, c'est pas des vrais muscles? Exactement. Et regardez la situation dans laquelle on est. C'est votre chance. Vous allez enfin pouvoir me prouver que j'avais tort, une fois pour toutes. Vous allez enfin pouvoir montrer à votre mère à quel point votre musique est puissante. Mais tu sais même pas faire de la musique. Tu t'es toujours moqué de ça. Qui a besoin de connaissances techniques quand on a juste une immense force? Plus tu tapes l'instrument fort, plus le son est fort. Mais c'est débile. Mais vous allez juste péter vos instruments. Peut-être. Si j'étais pas fait en bois du thon. Oh! C'est eux qui ont abattu les arbres. Alors c'était vous qui avez abattu cet arbre de thon. Oh waouh, j'avais complètement oublié ça. Moi pas. Comment as-tu pu? Et Splash, mon héros d'enfance, toi aussi. Et bah... Et ben vous savez quoi? Vanter comme ça votre boucherie barbare n'a servi qu'à me purifier de toute émotion conflictuelle qui aurait pu me gêner en combat. Oui, parfait, ramenez-vous les gamins! Apportez-nous cette opposition féroce dont nous avons besoin! C'est vraiment ce que tu veux? Bah très bien, allons-y! Et ben voilà une famille saine! Que le combat commence! Showtime! Maman? Doute! Miaou! Prême? Mi! Aïe! Pardon. Elle vient de me one shot là. Et il s'est inspiré. Ah bon, pourquoi? Ouh! Aïe! Prends les boucs! Miaou! Beefy Boss Quake! Il est inspiré. Ah merde. C'est un problème. Vrai. Mais... Je viens faire une prise de catch. À son instrument. Ah, de l'annihilation. Yeah. Mes excuses à toute la commune. Mais c'était nécessaire. Pour l'amour! Vrai. Suplex. Twinkle thumb dans vos mouilles. Petite summer jam pour s'en mettre.
Une autre suplex. Prêt. Ouh. Ah, j'adore. Silex extrême. Prêt. Toujours, toujours. Deathquake. Ouh. Ouh. Violence. Ah, violence. Fait mal. Ça ira bien. Faut lui mettre la violence. Vite. La violence. Trop de violence. Il y a un bounty full bail. Allez. Il y a un Roman des Books. Même pas mal. Performance. Est-ce que je veux la performance de qui? Ça, j'ai peur que ça écrase les mesures de douleur qui sont déjà là, donc non. Non. Bon allez, on fait tout le monde. Wouh! Le soir. Oui, est inspiré. Hurricane Ultra. Ah, il s'est inspiré. Oh oh. C'est un problème. Prêt. Ah, de l'annihilation. Sweet. Ah! Mais putain. Merde, c'est trop vite. Ah.
C'est pas grave, je peux le tenter. Vous allez crever! Ouais, le soin, enfin. Dernier rire. Ouh! Aïe! Blin. Vous avez fait, vous avez réussi. Ouais, j'imagine que c'est là où je suis censé baisser ma garde et accepter mes derniers instants. Vous savez, vous balancez avec du cringe à propos de combien je suis fier de vous et tout. C'est ce que vous espérez, hein? Non, rien à foutre. Et bah dommage, parce que je fais pas ça. C'est pour les faibles. Vous devriez être reconnaissant que je vous épargne un moment aussi gênant. C'est à plus. Maman. Waouh, mais quel combat chargé d'émotions! Ce sont des affrontements musicaux comme ça qui... qui établissent les albums de baston de groupe comme des expériences... auditives sans équivoque, sans... Bref, c'est trop bien! Demo, dis-nous en plus sur ces albums essentiels! Avec plaisir! Je voudrais rappeler à tous ceux qui nous regardent que vous pouvez pré-acheter le 100e album de Battle of the Bands maintenant! En ce qui concerne de la musique remplie d'intensité émotionnelle, rien de tel qu'un album qui comporte des albums qui se battent littéralement pour leur vie. Tout à fait, c'est un must-have pour les mélomanes de toute la planète. Et bien sûr, nous avons toujours des copies des précédents albums. Alors faites vite, achetez avant qu'il n'y en ait plus. Et pour également célébrer le 100e événement, nous allons rediffuser... Enfin, nous avons réédité le tout premier album dans toute sa gloire vintage. Ouh. Alors, ça pompe? On est le pourcentage? 62%. Eh bien, cette barre de progression glande encore plus que nous. Ouais. Ah. J'espère juste que Triste et Bang vont pas se retrouver à devoir affronter Death Bulge bientôt. Toutes mes félicitations à Death Bulge, Mutila, Fat Punch 5 et les Platines Délicieuses pour avoir apprécié tout le monde et passer au round suivant. Afin de bien démarrer les demi-finales, nous allons commencer par Death Bulge contre Mutila. Non, 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 non! Eh ben c'est con! Mais t'inquiète pas, il reste plus qu'un tiers à faire. Allez, 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 allez! On est contre Mutila après. Eh ben tout se casse la tronche très vite. J'imagine que tout ce qu'on peut faire c'est continuer à se battre et espérer que ça dure pas trop. Ouais. Et du coup, ça va? Après que vous ayez buté votre môme et tout? Votre maman? On va bien, on va très bien, pas vrai Faye? Elle savait à quoi elle s'engageait et elle a eu ce qu'elle voulait.
Bien, très bien pour elle. Qui en a quelque chose à foutre? Pas moi. Ouais, pareil. Au moins, une patine délicieuse va encore bien. Tenez bon, on est avec vous. Ouais. Et ben, on va reprendre au prochain épisode. Bon, il faut vraiment que j'aille me dégager la gorge, c'est terrible. Je vous dis, au revoir à tous, et à la prochaine. Dégage, Sif 5, je m'en fous. Et à la prochaine.